Je comprends pas, il était à l'étage. Vanessa. Tu voudrais pas un coup de main? C'est très gentil de proposer. Peut-être après. Finis de manger d'abord. Salut les filles. Qu'est-ce que tu fais, Adriana? Ce que personne ne fait dans cette maison, ma chérie. Je travaille. Tu coupes des citrouilles? Exactement. Et d'ailleurs, en tant que sœur d'État, vous allez m'aider. Ce sera avec plaisir, mais j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Et je vous dis à plus, les filles. Je commence à comprendre pourquoi Taylor ne l'aimait pas. Elle n'aime pas travailler. Non, c'est juste que ça fait quelques mois qu'elle se tape le mec de Taylor dans les dressings. Elle croit que personne n'est au courant, mais les murs ont des oreilles. Et malheureusement, moi aussi. La dernière fois, je l'ai entendu lire le livre de la jungle pendant que je faisais ma manicure. Ah oui, Mboué. Ah oui, Mboué. Non mais, je veux bien. La meuf, aucune pudeur. Taylor est au courant? Non, et ce ne sont pas mes affaires. Ok, c'est une autre histoire. Et du coup, c'est quoi que tu veux nous faire faire? J'avais pour plan Kenji s'occupe des costumes, mais tout le monde s'habillera comme il veut. Ok. Toi, Tiffany, j'aimerais que tu t'occupes de la décoration de la sororité. Genre, je devrais aller acheter des décos et tout? Oui, c'est ce que je viens de dire, pétasse. Mais toute seule, j'y arriverai pas? T'as qu'à trouver des bons à rien pour t'aider. On est les sœurs d'État. Tout le monde a envie de nous aider. Tout comme tout le monde a envie de nous prendre. Personne n'a jamais eu envie de moi? Ouais, bah, ça m'étonne pas. Je t'emmerde, Brie! Quant à toi, Brie, j'aimerais que tu finisses de couper les citrouilles. Il y en a beaucoup. D'accord. Mais dis-moi, Adriana, on n'est pas encore à Halloween. Alors, pourquoi tu prévois une soirée d'Halloween? Ça, c'est une très bonne question, ma chérie. Ce n'est pas une soirée d'Halloween. C'est une soirée à thème. Et le thème, ce sera les tueurs en série. La fraternité telle que je l'ai connue avait changé. Il y avait de nouveaux membres, encore bien plus problématiques. Et... Bienvenue dans la nouvelle sororité. Une Taylor 2.0. Brie a l'esprit très ouvert.
Nous sommes les qui fait d'elle la plus intelligente du lot. Nous sommes les elle a tenté les de participer aux élections. En vain. Bien qu'elle soit très belle et connue pour sa gentillesse, la jalousie et la haine sont de très vilains défauts. Tiffany. Taylor, si on traîne petite, avec certaines de ces personnes, notre code de popularité pourrait personne ne la respecte. Est-ce qu'on en parle que t'as des verrues à la chatte, Tiffany? Tout le monde a des défauts. Laisse-les. J'ai pas de verrues à la chatte. Si, meuf, t'as des verrues à la chatte. D'ailleurs, ça sent fort. Malgré tout, Brie, elle est très attentive non sur plus. Rita. Pour je ne sais quelle raison. Angelina, elle, se tape le mec de Taylor pendant qu'elle est à l'hôpital. Et le faisait même avant. On fait quoi si jamais elle entre là maintenant? On ne sait pas où cette histoire mènera. Mais lorsque Taylor la fondra, tout risque d'exploser. Eh ben, tu ne m'as pas fait attendre aujourd'hui. Mais il faut qu'on se dépêche, Adriana pourra revenir d'un moment à un autre. Ok, arrête. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? D'habitude, tu me prends comme si j'étais une grosse chienne. Là, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a changé. Écoute, ces temps-ci, je vais pas trop bien. Et j'arrive plus. Je suis désolé, Angie, mais... On devrait peut-être arrêter. Ok, temps mort. Est-ce que c'est à cause de Taylor? Elle est à l'hôpital et je me rends compte seulement depuis peu que ce qu'on fait c'est mal. J'ai envie d'une relation saine avec elle. Alors ce serait bien qu'on arrête tout ce qu'on fait. J'y arrive plus. Je m'inquiète trop pour elle et je l'aime. Mais j'en ai rien à foutre de tes sentiments. Moi tout ce que je veux c'est baiser. Écoute, t'as qu'à trouver un autre mec, non? Sur le campus il y en a plein, il n'y a pas que moi. On n'a qu'à rester en bon terme. Tu comprends pas non plus. Il y a plein de mecs, ouais, mais il y a que toi que je veux. Le faire avec toi, ça me donne l'impression que je suis supérieure à Taylor. Tu comprends pas? T'es en train de me dire que tu m'utilises en fait? Ouais, t'as tout compris. Et en ce moment, j'éprouve plus de plaisir avec mes vibromasseurs qu'avec toi. Alors dégage! Je voulais pas que tu le prennes comme ça. Casse-toi. Je veux plus te voir. Heather? Vanessa? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que toi, tu fais là? Je fais partie de la sororité. Enfin, ça fait quelques semaines que je suis revenu. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je suis venu régler quelque chose. Si tu cherches Taylor, elle est à l'hôpital en ce moment. Elle est pas ici. C'est pas elle que je cherchais. Bref, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'était un plaisir de te revoir. Attends! J'ai une question. Est-ce que ces temps-ci, tu reçois des messages bizarres? Où il se passe des choses... Des choses qui se passaient pas avant? Ça, c'est dur à dire. Des messages du genre? Ça m'est arrivé deux fois. J'ai des messages d'une personne qui me dit qu'il est au courant pour l'été dernier. Ça doit être une farce. J'y crois pas trop. Bien, tu devrais. On a tous gardé le secret. Et on n'en reparlera plus jamais. Du coup, est-ce que t'as reçu des messages? Si tu veux savoir, oui. Quelqu'un m'envoie des textos depuis une semaine. Quelqu'un qui est au courant. Je le savais. Mais c'est que des conneries, ça. Tu devrais abandonner. Tu vas pas lâcher l'affaire, c'est ça? Il y a deux ans, j'ai vécu quelque chose de similaire. Alors oui, je vais continuer.
Je sais que si je fais rien maintenant, il y aura des morts. On ne peut pas te retenir de toute façon. Je te connais. Si tu veux pas m'aider, alors c'est pas grave. Je le ferai seul. Mais si jamais tu veux me parler de ce qui se passe, n'hésite pas. Mmh. Fais attention à toi, Vanessa. Toi aussi. J'espère que ma fête vous plaira. Je suis trop contente d'être invitée. Vraiment. Moi aussi. Apparemment, il y aura des garçons. Non, chérie. Les garçons sont interdits dans la sororité. Trop bien. Je serai une lesbienne le temps d'une soirée. Je vous dis à ce soir. Soyez déguisés, my friends. Je vais m'acheter une kangourou. Pour ton déguisement? Non, pour brouquer. Adriana, il faut qu'on parle. Comment ça se fait que je suis pas invitée à ta fête? T'as invité tout le monde, toutes les filles, même celles qui sont pas de la sororité. Moi, j'en fais partie. Je comprends pas, genre, qu'est-ce que je t'ai fait de mal? On est amis pourtant, non? Ferme-la, petite pétasse. La voilà, ton invitation. On s'est dit, à ce soir, sois déguisée. Qu'est-ce qu'il y a, Adriana? Salut, ma chérie. Tu peux t'asseoir, si tu veux. Non, vas-y, abrège. J'en ai marre des orgasmes qui prennent 45 minutes à faire. Toi et moi, on a un ennemi en commun. Elle s'appelle Caroline. Tu connais Caroline? Mais oui, ma chérie. Je la déteste, cette fille. Tu sais qu'elle s'habille comme moi, à croire qu'elle n'a aucune personnalité. Je suis au courant. Moi aussi, je la déteste. Tu sais que chaque nuit, je fais un rêve. Je rêve que je suis habillée tout en noir et je verse des larmes de joie. Je suis à l'enterrement de Caroline. Moi aussi. Et c'est mon rêve préféré. Et qu'est-ce que j'ai à voir dans toute cette histoire? Pourquoi t'as besoin de moi? Ma chérie, parce que toi et moi, on a un ennemi en commun. Elle s'appelle Caroline. Tu connais Caroline? Oui, vas-y, abrège, connasse. Je dois impérativement me débarrasser d'elle. Ne me demande pas pourquoi. Moi-même, je ne sais pas. Dans tous les cas, j'ai un plan. Vu que ce soir, c'est la soirée d'Halloween, nous allons faire quelque chose toutes les deux pour nous débarrasser d'elle. Tu te rends compte que cette fille, c'est la fille de la directrice, non? Je suis au courant. D'ailleurs, toi, tu ne l'es peut-être pas. Mais parfois, entre mère et fille, ça ne s'entend pas très bien. Et je peux te dire que si on se débarrasse de Caroline, on n'aura aucun problème avec la directrice. Alors, t'es partante? Bien sûr. Je déteste Caroline. Alors, c'est quoi ton plan? Après toi, tu ne vas pas en croire tes faux seins. Ça a l'air bon, non? Elle ne prêtera même pas attention aux citrouilles, alors ce n'est pas grave si tu les fais mal. Alors, pourquoi est-ce qu'elle fait cette soirée? Pour que tout le monde sache que c'est elle qui dirige, tout simplement. Mmh. Et ça ne te dérange pas? Pourquoi ça me dérangerait? Tu crois que je lui en veux d'avoir gagné les élections? Non. Et puis les élections, c'est du passé, je t'avoue. J'y pense même plus. Non, en fait, je n'en veux plus à Adriana. Disons juste que de l'eau s'est écoulée. On s'entend plutôt bien. Et c'est mieux ainsi. Ah bon? Et dire que vous étiez prêt à vous étrangler il y a quelques semaines? Si on devait compter le nombre de gens que j'ai envie d'étrangler... Mmh. Bon, plus sincèrement, t'en penses quoi de ma citrouille? T'as du talent? T'as appris où à couper des citrouilles comme ça?
Nulle part, je me suis juste inspiré de Google. La tienne a l'air un peu gogole. Oui, je sais. Franchement, j'en ai rien à foutre de couper des citrouilles, mais Adriana me l'a demandé. Alors, pourquoi tu m'as invité à faire ça si t'en avais pas envie? J'avais tout simplement envie de t'inviter pour pas m'ennuyer. Et pour passer un peu de temps avec toi. C'est gentil. Je sais qu'on ne doit plus en parler, mais je me sens encore mal que t'aies perdu les élections. Je sais que ça te tenait à cœur. Moi aussi ça me tenait à cœur, mais je n'avais pas vraiment de but. Toi, tu en avais. Ouais. C'est pas grave, écoute. Tu veux peut-être m'en parler? Qu'est-ce que les filles de la sororité t'ont fait pour que tu finisses par les haïr? Elles ont été trop loin, tout simplement. Je sais que parfois les filles vont trop loin, mais on a une limite. Non, vous n'en avez pas. Vous n'êtes que des pétasses qui pensent qu'à leur beauté. Vous pensez même pas aux autres. Pourquoi tu me mets dans l'eau? Tu penses que je vaux pas mieux que ça? Pas vraiment. En fait, je te connais pas plus que ça. Mais j'ai une mauvaise expérience. Et j'ai pas envie que ça se reproduise. Ni à moi, ni à quelqu'un d'autre. Si on est si dur avec ces filles, c'est pas pour le plaisir. C'est pour leur apprendre la dure réalité de la vie. Tu crois que je m'en prends souvent à Tiffany, pourquoi? Elle est très gentille, cette fille. Mais c'est une sœur Zeta. Elle a besoin d'avoir plus de maturité. Et de comprendre que certaines personnes ont une mauvaise influence sur elle. Elle est trop naïve. Alors, tu la critiques? Tu la fais sentir mal sur son poids, sa façon de s'habiller, sa vie privée, c'est ça? Elle a besoin d'être forte. Et toi, t'as besoin d'un psy. Vanessa, t'es venue pour une partie de bowling? Non, pas du tout. Il faut que je te parle, c'est important. Comment t'as su que j'étais là? C'est Zor qui m'a dit que t'étais là. Ouais, on a gardé contact. Alors tu bosses dans un bowling? Pour payer mes études, j'ai pas trop le choix. Écoute, il faut que je te parle, c'est urgent. T'as 2 minutes? Je peux demander pour prendre ma pause, plutôt que prévu. C'est si urgent que ça? Ouais. Bou. T'es con, quoi. Bah écoute, je voulais juste te dire bonjour. Ouais, bah t'as une drôle de façon de dire bonjour aux gens. Toi aussi. Qu'est-ce que tu me veux? Rien, je me suis dit qu'on pourrait peut-être passer du temps ensemble, si t'avais quelque chose de prévu. Ma sœur est pas disponible, et comme on passe tout notre temps ensemble, je t'avoue, j'ai rien à faire. Je suis toujours chaude, tu proposes quoi? Ce que tu veux. Ah ouais? Je crois qu'on a observé. Ah ouais? Non, mais au sens littéral du terme, regarde derrière toi. Salut les gays! Qu'est-ce que tu nous veux, Tiffany? Adriana m'a demandé de l'aider. Elle fait une soirée à thème. Et je me suis dit, rien de mieux que des gays pour préparer les décorations avec moi. Alors, vous êtes de la partie? Non, pétasse. On avait quelque chose de prévu déjà. Si vous m'aidez à faire les décorations, vous serez invité à la soirée. Ça vous va? C'est toujours pétasse. Ça peut être marrant. Quoi? Quoi, ça te tombe pas? Ça a l'air ringard. Bah si on est invité à la soirée déguisée, on reste déguisés tous les deux. Et j'ai un super beau costume, mais que j'ai envie de montrer qu'à une seule personne. Tiffany,
Tu vas avoir besoin de notre aide. Je le savais. Alors rendez-vous à midi à la sororité. Mais il est 12h30. Eh ben grouillez-vous le cul, vous êtes en retard. Ah, Brie a fini les citrouilles, super. Ok, gay numéro 1, tu m'aides à prendre les citrouilles. Gay numéro 2, tu prends les décorations. Et on va dans la maison hantée. Je ne suis pas gay. Ouais, sauf entre 13 et 14h30. Gay numéro 1, c'est moi, donc va chercher les décorations. Excuse-le, il ne s'assume pas encore. J'en ai rien à faire de vos histoires à la con. Moi, tout ce que je veux, c'est que vous m'aidez. Et honnêtement, Tiffany, on y gagne quoi? Parce que je te rappelle qu'on est des gars, et maintenant c'est une sororité, on ne sera même pas invité à la fête. Bah, comme vous êtes gays, vous comptez comme des meufs, non? S'il n'y a pas de mec à la fête, je m'y mettrai même pas mon cul. Bon, tu veux m'aider ou pas? Ben écoute, si ça me permet de passer plus de temps avec ce beau mec, moi je dis pas non. Ok, alors prends toutes ces citrouilles avec moi. Et qu'est-ce qu'on va en faire? T'as prévu de faire quoi? Je vais transformer la sororité en maison des horreurs. Ok, alors je propose d'acheter plein de démaquillants. T'en mets du maquillage. Je sais que le but c'est qu'il faut se déguiser, mais à ce point... Beaucoup de gens viennent pour moi, alors je dois faire de mon mieux. Dis-moi, avec les citrouilles, j'ai vu que ça n'avait pas très bien avancé. Non, tu as raison. Je me suis disputé avec Maya tout à l'heure. Alors j'ai tout continué toute seule. J'ai fait à la va-vite. Sherry, tu dois penser à toi. Cette Maya... Elle ne me fait pas confiance du tout. Tu veux plutôt dire qu'elle ne t'inspire pas confiance. Ta gueule. Elle est sûrement jalouse parce que j'ai eu ce qu'elle voulait. Ça doit être ça. Dis, t'as vu les décorations que Tiffany a fait? Oui, c'est vraiment à chier. J'allais le dire. Alors, t'en penses quoi des décorations, Adri? J'adore, ma chérie. Oh, super. Dis, j'ai promis aux deux homos de participer à la fête si jamais ils m'aidaient. Je sais que t'as dit c'était une soirée sororité sans mec, mais on peut faire exception pour eux? Mais bien sûr, ma chérie. Je t'adore, bisous. Grosse pute. Tu viens de mentir à Tiffany? Oui. Je t'adore. Pourquoi tu regardes ton téléphone sans arrêt? J'attends des nouvelles de Troy. Il m'a dit qu'il se déguiserait spécialement pour moi ce soir. Du coup, c'est clair. C'est une soirée déguisée, mon gueule. Il veut coucher avec moi, tout simplement. Mais il est toujours pas là. Peut-être qu'il te fait une surprise, hein. Je sais pas. En tout cas, sa sœur, elle est là. Dis, Maya, tu sais où est ton frère? Tu veux dire ailleurs que dans ta bouche, du con? Bon bah ça c'était clair. Fais-moi confiance, peut-être qu'il t'a fait une surprise. Je sais pas. J'aurais peut-être l'attendre dans la chambre, non? Commencer à me déshabiller et lui faire une belle surprise. Tu lui diras que j'y suis. Je vais pas m'immiscer dans vos histoires de gang-bang homosexuel. Ça te pose aucun problème si je te laisse toute seule ce soir? J'ai l'habitude, tu sais. Merci, je te revaudrai ça. Regarde comment elle fait. Oui, je vois. Elle a l'air de s'amuser. Ta petite Maya sans toi. Je vois pas de quoi tu parles, Diana. Et je vois un petit peu ce que ça sait faire. Elle n'est pas ton amie. Non, si. Tu n'as pas besoin d'air.
Je vais quand même aller lui parler pour m'excuser. C'est vrai que je m'en suis pris à elle tout à l'heure. Tu fais ce que tu veux, tant que tu ne nous trahis pas. Salut les filles, vous aimez mon costume? T'es déguisée en quoi? En Annabelle? Non, en Jennifer's Body. Un film super iconique. Tu sais que Sin Sorry Attempt tueur en série? Justement, dans ce film, elle tue plein de mecs. En fait, elle se fait posséder par un démon et elle a besoin de manger pour être belle. Du coup, elle bouffe plein de mecs. Oh, alors je comprends mieux le costume, il te va très bien. Merci, c'est trop gentil. Et je vais aller vous chercher un verre si vous voulez. Et toi, c'est quoi ton déguisement, Tiffany? En cygne noir. C'est une tueuse en série qui faisait du ballet. Et son costume fétiche, c'est le cygne noir. Bien trouvé. Comme on sera de sauve, ma chérie. Adriana, que me vaut ta visite? Au cas où, tu es chez moi, connasse. Salut, Maya. Qu'est-ce que tu me veux encore? Discuter, tout simplement. D'accord. Tu veux parler tout à l'heure? Oui. Je voulais m'excuser de la façon dont je t'ai parlé. C'est vrai que je comprends pas ce qui t'est arrivé, mais je n'étais pas là pour le savoir. Je dois avouer que j'ai pas aidé non plus. On a tous un vécu différent et... C'est vrai que je m'en prends un petit peu à la nouvelle sororité alors que c'est pas vous qui m'avez fait du mal. Sache qu'ici, on s'amuse beaucoup. Et... T'es la bienvenue. Oui. Me mens pas, s'il te plaît. J'ai remarqué que Adriana ne m'aimait pas trop. Je sais. Mais... Quand Taylor reviendra, Adriana, ce sera notre histoire. C'est Taylor qui gère les choses, pas elle. Alors quoi? Tu veux tout recommencer à zéro entre nous? Une amitié? Pourquoi ça? Je t'apporterai quoi? Rien du tout. J'ai l'impression qu'il faut que je le fasse, c'est tout. Arrête de tourner autour du pot, Aubry. Je sais ce que tu veux. Salut, beau gosse. Coucou, Troy. C'est quand qu'il arrive? Il m'aurait quand même pas mis un retour. Attends, c'est juste pour ça que tu nous en voulais? Ouais. Tu sais que la majorité des filles à qui tu en veux sont mortes ou en prison? Attends, sérieux? Toi, ça se voit que ça fait longtemps que t'es plus venue à Green Lake. Laura et Rachel sont mortes. Quant à Anna, elle est en prison apparemment. Vanessa et Taylor sont encore à la sororité. D'ailleurs, Vanessa vient de revenir. Je sais. J'avais un cousin éloigné qui s'appelait Chad. Il est mort durant cette affaire. Vanessa était sortie avec. Il m'avait foutu la vie en l'air, ces deux-là. Je leur en veux toujours, mais il a été coupé en deux, donc j'imagine qu'il a eu son karma. Elle t'a fait quoi, Vanessa? C'est une fille très gentille, mais elle peut être manipulée très vite. Elle s'en est prise à moi pour rester avec les filles, tout simplement. Alors oui, je lui en veux parce que je pensais que c'était une vraie amie. Maintenant, tu sais, les gens changent. Tu devrais leur laisser une chance. Je sais pas. Tu m'en as bien laissé une. Toi, c'est différent.
Putain. Je vais t'étrangler. Lâche-moi, Adri. Adri, lâche-la. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, dis-leur, pour que tout le monde soit au courant. Qu'est-ce qui se passe, Tiffany? J'assiste à un spectacle. Les votes des élections ont été truqués. J'ai été dans le bureau de ma mère. Ce n'était pas toi qui étais censé gagner. Je ne vois pas de quoi tu parles. Pourtant, j'ai les preuves. Adriana, tu as trafiqué les élections. Je n'ai rien fait du tout. Vous n'avez qu'à aller voir la mère de Caroline. Elle vous dira bien la vérité. J'ai gagné avec mérite. Ça m'étonnerait que ma mère ait quelque chose à voir avec tout ça. Vous êtes juste jalouse. C'est tout. Profitez de la fête. Tant qu'elle est là. Caro, ça va? Il faut que j'aille prendre l'air. Tu vois quelque chose? Non. Attends, ce sera pas Taylor? Si, si, c'est elle. Mathieu, il faut qu'on se dépêche. Ton ami du temps? Allez, vas-y, qu'on puisse en finir. T'en mets du temps pour te décider. Je suis canon quand même. C'est bien de t'amuser avec la lampe, mais tu pourrais t'amuser avec mon trou de balle aussi. Troy? Mon trou de balle va pas se bouffer tout seul. C'est ça, ton costume? Il est vraiment laid. T'as pas d'idée. Allez, enlève-moi tout ça. Salut, vous n'aurez pas vu Dylan? T'étais passé où, crétin? T'as manqué la fête. J'étais prendre quelques affaires chez moi, c'est tout. C'est une fête déguisée, déjà. Toi! Taylor? Taylor? Je suis tellement contente de te voir, t'es sortie de l'hôpital? J'ai couché avec mon mec pendant tout ce temps. Taylor, je peux tout t'expliquer. Ferme-la. Taylor, tu devrais pas plutôt en vouloir à Lisa d'avoir couché avec elle. J'irai m'en prendre à lui après. Une chose à la fois. Angelina. Pourquoi? Je voulais pas te faire de mal. J'étais seul. Et du coup, il a fallu que tu couches avec mon mec, connasse. Je retire ce que j'ai dit. J'adore vos fêtes de sororité. Je comprends pas. Il était à l'étage. Vanessa.
Encore un nouveau meurtre. Ça va? T'as rien? Ne m'adresse même pas la parole. T'es sorti de l'hôpital, Taylor? Ouais. Adriana m'a envoyé un message. Apparemment, Ezor s'est trouvé une nouvelle copine. Je suis désolé. Oh, t'es tout à fait pardonné. C'est pas comme si on était en couple. Écoute, si tu veux, on peut en parler après. C'est pas vraiment le moment. Oh, parce que tu veux en parler? C'était bon, Ezor? C'est bon, je viens de garer la voiture. T'es qu'un connard. Me touche pas. Je manquais quelque chose. Ezor et Taylor se disputent. Comme d'hab. Qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Vanessa m'a parlé des messages inquiétants qu'elle recevait. Et j'ai entendu dire qu'Ezor en reçoit aussi. Quelqu'un est au courant de notre secret. Il faut qu'on l'arrête. Vous avez reçu des messages inquiétants? Ça fait plus d'un mois que je reçois des messages anonymes où il est marqué « Je sais ce que tu as fait l'été dernier. » Moi, c'est d'un expéditeur inconnu. Il m'envoie les mêmes messages. Peu avant mon attaque à la sororité, j'avais reçu un mail. Un mail avec le même message. Je suis le seul qui n'a rien eu. Super. Celui qui a commis l'accident ne reçoit même pas de message de mort. C'est peut-être parce que j'ai changé d'adresse entre-temps. Et je ne suis plus sur les réseaux. C'est pas le moment de se chamailler. On devrait plutôt unir nos forces. Il faut vraiment trouver c'est qui avant. Avant que l'un de nous soit la prochaine victime. On était enfin réunis. Après tout ce temps. Mais à quoi bon? Quelqu'un dont on ne connaît l'identité veut notre mort. Et est prêt à tout pour nous le faire payer. On sait qu'il ne nous reste que très peu de temps avant de découvrir qui il est, parce que nos vies sont en jeu. Heureusement, quelle était l'heure exacte de la mort? Il devait être 23h, 23h30. Écoutez, j'aimerais que cette affaire ne s'ébride pas trop. Il y a déjà eu beaucoup d'histoires ici. Oui, on est déjà au courant. Ça ira pour gérer cette affaire? Ça devrait aller. Et toi, Julie? Comme mon bon vieux temps. On ne sera pas seuls.